Juste que ça reprenne. J'attends que ça reprenne. Que tout le monde revienne vu que j'ai fait le changement de session. T'as vu son rythme? Ouais, faut souvent attendre 2-3 minutes quand même, hein. C'est évident comme ça galère. Ah, une victoire. On va attendre que l'avion passe ou s'écrase vu le bruit. C'est bon. Mais bonne existence pour la rediff. D'ailleurs, j'ai une idée de outro. Parce que là, j'ai le bon existence d'intro qu'un jour, peut-être, j'expliquerai. Si les gens me supplient correctement comment expliquer de pourquoi je choisis ça. Mais, voilà, les outros, j'ai une idée qui serait... qui perso me fait rire d'avance. Mais là, j'ai juste pas pensé à la préparer. Enfin, j'y ai pensé, mais quand c'était déjà lancé, du coup, je sens que ça sera prêt pour Pikmin 2. C'est rien parce que je surkiffe le 1, mais je le fais beaucoup trop vite. Donc là, cette fois, on va pas faire la même erreur que tout à l'heure, on va les faire plus fleurs quand même. Et oui, vous avez dû comprendre que je vise la pièce qui est la plus loin dans l'eau. Ça va, tout le monde est parvenu? Non, juste lui. Ça devrait bien se passer. Et non, je n'activerai pas le mutant. Question de survie. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, si vous voulez. Vous deux, je sais qu'il faut aussi, parce que t'en as la moitié qui vont prendre le mauvais chemin. J'aime beaucoup les petits arcs qu'ils font quand ils s'envolent. Mais du coup, pour les personnes qui découvrent le jeu, qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Moi, c'est mon jeu préféré, mais... Il est parti où? Non, 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 vous êtes d'accord, il y en a un, il a des pops. Vous l'avez vu? Il a glissé, il est sorti de mon écran et là j'ai un compteur de mort, mais il s'est pas fait écraser, il a juste des pops. Mon fils, j'ai la preuve, j'ai la vidéo, la rediff, je le verrai.
C'est pas ma faute. L'aventureux restera dans nos cœurs quand même. Oh, t'as eu bien la chance, toi. Fallait pas que tu aies mangé avant. Quoi ? Quoi ? Comment ça, j'ai un autre mort, là ? Non. Allez, il y a des glitches, là. Les enfants, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Il y en a un, ok, je l'ai vu se faire squish. Ça, il y a pas de souci. Il y en a un, il s'est tépé dans le sol. Bon. Là, c'est ma faute. Mais il y en a un, il est passé où? C'est terrible! Oh là 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 là. Oh. Bon, là, c'est ma faute. Mais là, il y en a que trois que je reconnais. Ils sont où les deux autres? Elle va nous ramener ce qu'on a perdu. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec le jeu. Bon, ça va, le monsieur là n'est pas revenu. 95, on vérifie, hein. Toujours avoir l'œil. Bonjour. Merci Olimar d'avoir pris pour les Pikmin. Après, on peut réparer sa combinaison juste en allant devant le dolphin. Donc, toi, non. Mais par contre, s'il meurt, ben, on perd tout. Hein. Donc le mieux, c'est de reset et de refaire la journée. Mais... Le mieux du mieux, c'est de le préserver un minimum, le pauvre vieux. Bonjour, bonjour. Là, là, les enfants. Voilà. Attends. Attendez. On reviendra, mais je le donnerai à la bonne couleur. Vous connaissez, hein. Oh là 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 là. Ils sont pas morts longtemps, mais quand même. Elles mangent extrêmement vite, hein. C'est terrible, parce que du coup, vu que je guette le chat et que j'essaye de si bien faire... Je vous montre pas mon réel talent sur ce jeu. Et vraiment, j'ai des parties où il y a quasiment que le boss final qui m'a coûté du peuple. Après, les vrais me croiront, mais... Chaque perte m'attriste profondément. Bon, tu meurs, oui. Merci. C'est pour un satellite de garde, une radio, d'ailleurs, ça. Tu es lequel ? Radio stellaire, voilà. Chanceur de... Attendez. Merci. C'est bon ? N'hésitez pas à commenter ce que vous trouvez du jeu. Bon, mes talents, sachez qu'en vrai, ils sont meilleurs. Mais bon. Rip le cavalier, faut en commander un nouveau. Celui de ton ordi, du coup. T'as trop joué avec, tu as éternué dessus. Ton chat a fait une sieste en le mangeant les touches. Oui, c'est mes seules hypothèses de pourquoi un clavier ne fonctionne plus. Oh, ça fait beaucoup de morts, hein. Bon, après, il y en a deux que je n'accepte pas, qui pour moi sont des bugs, mais les autres, ça va. Je reconnais que c'est ma faute.
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attendez, faut qu'on sorte les jaunes. Voilà. Allez, tu manquais pas, toi. Excuse-moi, Olimar, je t'ai pas dit de déterrer. Olimar, merci. Quel bazar là, est-ce que quelqu'un pourrait... Merci. Non ! Ah, attendez, parce qu'on va se prendre la cinématique. Non, les enfants ! C'était pas la bonne couleur. Vous êtes infernaux aujourd'hui. Vous voyez pas qu'on se fait attaquer par une mouche ? Faut être solidaire face à ce genre d'ennemi. Et ben voilà, la cinématique va relâcher. Non. Voilà, on prend le temps de respirer. Et on ramasse que ce qui est à nous. Un peu de calme et tout se passe bien. Qui est perdu? Non, ça va. Tout ramasser, c'est important, surtout pour équilibrer mes pauvres pertes. La musique berce, je trouve. Avec un petit côté mystérieux. Ça évoque la douceur. Pas comme les bestioles qu'on élimine. Je vais vous montrer. Pour réparer la combinaison, voilà. Tout simple, efficace. Pourquoi vous avez poussé ça dans l'eau, les enfants? C'est pas très très gentil. Pourquoi ils se tapent des détours des fois? Il est toujours plus loin. Il fallait aller là, hein. Ça va, vous vous sentez bien? Vous avez besoin d'aide? C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus? Ça n'a pas l'air. Oui, je vise toujours une optimisation optimale. Des petits quelque chose, non? On n'a qu'une centaine aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Jamais dans l'abus. Bon. On va finir cette journée tranquille. Ça va, on aurait pu avoir plus de pertes. Ça reste conséquent.
13, dont 2 que je renie, donc 11. Mais ça va. Il me manque une centaine de jaunes et de bleus quand même. Je pense que je vais enfin vous montrer la source de palais infini de la première zone. Et comment, en l'optimisant bien, on peut vraiment avoir une source de population merveilleuse. Cette musique qui... À chaque fois, je me dis, soit il faut que je recommence une partie, soit que je décroche mon téléphone. C'était il n'y a pas longtemps, le début, mais... Ça paraît déjà si loin. Il n'y a pas énormément de danger dans celle-là. Vraiment, c'est très limité. Alors, j'exagère pour... Pourquoi ? Pour les morts ou la source de palais ? Parce que pour moi, aucun des deux n'est exagéré, mais... Peut-être que tu as une vision biaisée de la réalité qui est la mienne, tu vois. Mais attends, t'as pas vu la zone, d'où tu dis qu'il n'y en a pas autant que je prétends. Guettez là en bas. Non! Tu n'es pas de la bonne couleur. Hein. Je vous ai fait peur? Ouais, je sais. C'était le but? Non. Mais est-ce que ça m'a fait rire à l'idée? Oui. Regarde, tu l'as partout. On a des gros. Pouvoir faire beaucoup de Pikmin. C'est là qu'il faut aller quand on a des massacres ou des lacunes d'une certaine couleur, des choses comme ça. Parce qu'en plus, vu qu'elle a quasiment aucun danger, enfin, il y a moyen quand même de faire un carnage ou de voir au moins des pertes. C'est vraiment pas de chance, quoi. Ça va bien se passer. Et donc si on gère bien, on peut faire beaucoup de population, la pièce de vaisseau, sans perte. Ça m'arrivait que au début que j'ai quelques pertes ici, donc là si ça m'arrive, c'est vraiment que je m'intimide trop devant. Et je veux tellement montrer que je gère. Du coup, je ne gère plus. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est la première fois que je le fais aussi en parlant. Ça n'excuse pas mes pauvres perdus, bien sûr. Oui, donc là, en fait, pour aller là-bas, il faut déplier la branche. Il faut que eux m'activent le petit geyser pour que je puisse monter et qu'on ramasse tout. Si on les siffle trop tôt, ils retombent, mais si... Voilà, à partir d'ici, ils peuvent sauter, nous rejoindre. Et c'est tout bien. Regardez comme c'est satisfaisant, toutes ces belles couleurs. Le chiffre du bas qui augmente. Le seul chiffre que j'apprécie dans tout cet univers. Allez les enfants. Musique que j'adore. Genre vraiment, les musiques de Pikmin en concert, comment ça doit faire trop d'effet. Non, on ne change pas. On respecte la colorisation de base. On essaie de se regrouper un petit peu quand même. Et on va passer à la seconde zone. Oui, je connais un petit peu par cœur, mais bon, vous avez l'habitude. Chopez-le! Chopez-le! Voilà, c'est ça qu'on veut. Faut faire attention quand il va vers les bombes. Il peut pas les activer, mais il faut pas que je lance un jaune. Et c'est qui me pousse le malotru? Monsieur, vous avez peut-être vu au-dessus. Il ne peut pas faire de mort. À part Olimar, s'il abuse. Mais il peut juste faire perdre du temps parce que il va nous les enterrer, en fait. Il va abattre ses bras sur les Pikmin.
et ça va les replanter. Oui, même si là c'est sur une souche d'arbre, ça va les replanter. Je crois d'ailleurs qu'il craint pas trop les bombes. Hein, donc, Et de base, il nous attaque pas. Oh là, juste il existe. De temps en temps, ça lui prend, il va vouloir entretenir son jardin, comme le dit la description de fin. Et voilà, juste il les plante et il les rend tous en fleurs par contre. Alors si on a plein de feuilles, qu'on n'a pas de nectar et qu'on veut des fleurs, on les met vers lui. Et puis ça sera bien, faut juste avoir le temps et la motivation de tout déterrer. Ça vaut 50. Voilà, c'est dit. On va attendre d'avoir des bleus pour faire ça. Donc c'est parfait pour refaire la population, ça va très vite. Ça fait vite plaisir. Bonjour monsieur. Il n'en a rien à secouer de ma vie. Donc on va peut-être le battre. Mais peut-être pas tout de suite. Je vais me focus sur les palourdes. Sur les palourdes, en fait, on va devoir... Là, c'est facile quand on a les bombes. Mais les autres dans l'eau, eh ben, y a plus les bombes. Du coup, faut les faire avec les bleus à la main. C'est pas très dur, faut juste vraiment bien gérer le timing parce que sinon ça dévore tout et ça fait peine. Mais nous, vu qu'on gère, ça va bien se passer, n'est-ce pas? Tu t'es retrouvé là-bas, toi? Aucun effort. Vous quatre, vous allez faire le mur. Qui n'est juste... Enfin, c'est vraiment un raccourci. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire, ni de nécessaire, ni de tout ça. Donc on va essayer quelque chose. C'est qu'on va essayer de mettre les bleus en protection. Et on va essayer de le faire... Bon. Ça a raté. Les bleus ? Mais ça va pas de le lancer dans la bouche de l'ennemi. C'est quoi ce sauvetage merdique là? C'est bon. Voilà, vous avez pu voir les talents magnifiques des bleus. Et bien sûr, Mini, tu fais ce que tu veux. Comme ça, tu peux même venir réagir et te plaindre si j'ai éliminé. Mais arrêtez d'essayer de le tuer. Votre but, c'est de le sauver. Vraiment nul, hein. Ah bah ils sont contents. Oh mais il est sur la terre ferme, bah oui. C'est pas grâce à toi. Donc voilà, il faut le bon timing. Moi je préfère prendre large. Ah, moi je les rappelle dès qu'elles tremblent. En soi je pourrais compter, mais on a le temps. On prend pas de risque. Tout va bien. Voilà, ça c'est la pièce qu'on vise. Et si on revient dans cette zone alors qu'on a ramassé l'autre la pièce là qu'on va avoir, juste elle nous offre une autre perle et puis du coup on peut faire 50 Pikmin de chaque couleur. Avec des bleus. Mmh. Tu veux dire qu'avec que des bleus? Ou des bleus qui ne tuent pas leurs potes surtout. Mini, si tu réagis ou commentes sur ta lecture, n'hésite pas à prévenir à peu près où t'en es, parce que du coup, je ne peux plus suivre tes lectures, tu vois. Si tu me balances, par exemple, « Oh, t'as osé tuer encore quelqu'un », je vais te demander des précisions, parce que ça arrive, tu vois. Parfois, souvent, mais... ça, tu auras le temps de le voir. Oh, arrête de te coincer. Je vais bientôt revoir les visiteurs. Ça me manque. Ça fait longtemps. J'espère que tu connais Mignon, les visiteurs. Attention. Bon, déjà que je t'ai formé doucement. Je te forme doucement à Docteur Who. Mais... Ok, c'est pas du tout le même niveau intellectuel, mais. Voilà. Ça n'empêche pas que c'est très bien, très fun. Et dans la culture. Pour le coup, française.
C'est bon, c'est bon. Dans les quêtes, ils ont remis. Je vais y arriver. Cet ennemi, qu'il n'y a pas dans le 2 ni le 3. Et par contre, on peut et la perle et la coquille à ramasser pour la population, donc c'est intéressant. Celle-là, je me suis toujours dit, c'est quand même. Voilà pourquoi je n'ai pas retenu le nom de cette pièce, Positronator, voilà. À mes souhaits. Et oui, même si elle est officiellement morte, si elle se referme quand même sur les Pikmin. Bah. C'est dommage. Elle peut les manger même si elle n'est plus. S'il n'existe plus sur le plan de la vie, on va dire. Bonjour. On peut tout à fait le laisser là. En fait, ici dans cette zone, il y a. Alors, je sais pas si c'est une chance sur deux, mais en gros, il y a que deux types de mobs qui peuvent venir. Ça me semble être assez aléatoire. Donc, il y a des parties où tu peux ne pas du tout voir l'un ou l'autre. Si tu ne reviens pas, si tu tout ça. Donc, là, on est tombé sur le jardinier qui est tranquille, qui est pépouse. Voilà. Et il se fait bourrer, il n'en a rien à secouer. Tant qu'on lui donne pas un coup. Sinon, c'est. Alors, Mini, va falloir préciser si possible. C'est assez vaste ton indication, mais n'hésite pas à mettre sur le chat, ça ne craint pas, ça spoil pas, ni rien, il n'y a pas de souci. Parce que sinon, pour les autres, ça doit être très étrange de m'entendre dire n'importe quoi comme ça. Je sais plus ce que je vous dis. Ah oui, si, et sinon, c'est une bestiole qui ressemble plus à une flaque d'eau, qui a en fait son cœur et son système nerveux de part et d'autre sous forme de boule. Il y a son. Une de ses. J'essaie de le dire sans que ça finisse en titre. Mais. En gros, il y a une de ses extrémités qui essaie de venir nous aspirer, donc il faut prendre les bleus, parce que sinon les autres vont se noyer. Et pour l'éliminer, en fait, il faut réussir à appuyer sur son système nerveux, enfin son cerveau, hein, globalement, pour le balancer sur son cœur qui est rigide, pour que ça l'endommage, et au bout d'un moment, il finit par s'évaporer. Voilà! Peggy 3. En vrai, lui, j'ai pas envie de l'embêter pour une fois. J'ai mis la photo. Il va falloir que. Oula. Il va falloir que j'aille le voir alors. Est-ce qu'on a tout le monde? Non! Forcément! Ça va. Là, on a tout le monde. On a vidé la zone. Bon, sauf lui, mais il est gentil. J'ai pas envie de l'embêter pour une fois. Et vous voyez que la population a quand même bien grandi et que ça fait plaisir. Alors, Scorn. Oula. C'est pour ça que j'étais comme fragile. Ah oui, ok, je comprends le côté perso du coup. Je vais essayer de lire dans ma tête. Ouais, bah oui, en fait, oui, je comprends mieux. Bah oui. Oui, c'est vrai que vu comme ça. Mais après, l'objectif, c'est que tu finisses aussi comme elle pour le après. Genre que tu aies eu l'évolution nécessaire pour ne plus te décrire de la sorte. Tu vois ce que je veux dire? Regardez-moi ça, 250 Pikmin en une journée. Ça fait plaisir. On est à 1710. Enfin, germé parce qu'on a eu des pertes, mais quand même. Et c'est un presque équilibré niveau couleur, c'est bien. Encore une petite journée pour la session, allez. Donc celle-là, elle est finie. Celle-là, ça sera la prochaine fois. Je sais plus. La panique. Je sais plus dans quel ordre on les a faites pour voir là où il y a le plus de bestioles. Je dirais que c'est celle-là qu'il faut aller faire. On va aller faire celle-là.
Je pense. Et la prochaine fois, il nous restera ces trois-là. Oui, je réfléchis parce que je sais que les deux là qui sont là, suivant mon efficacité, des fois ça me prend une journée, des fois ça m'en prend deux. Que celles qui sont là, vu que j'ai tout préparé, ça peut aller très vite. Après, on peut ne pas se prendre la tête, effectivement. On peut aller faire l'autre... Enfin, c'est même pas la spider, elle, c'est la crash boule, quoi. Non, mais comme ça, le vaisseau, il sera tout beau. Vous allez voir, c'est très appréciable. On prend un peu de rouge parce que... Ce qu'il en faut pour sortir le palais des jaunes, qui est dans le feu, et parce qu'il tape quand même plus fort. On prend des jaunes du coup pour leur palais. Et puis le reste en bleu, parce qu'il nous faut des bleus, beaucoup. Qui au pire, on prendra de l'avance pour préparer les deux autres pièces. Quitte à les rapprocher, qu'on n'ait plus qu'à venir finir de les ramasser. Ah bah oui, là il n'y a vraiment personne qui est revenu, donc... Un pouvoir être efficace. Vous allez voir enfin mon vrai talent. Vas-y, on va essayer de passer par là. Pour faire le spectacle. Attention, attention, bonjour. Je m'appelle Teuse, et vous? Les enfants, vous attaquez ces pattes de métal là, ça ne nous sert à rien. De toute façon, il faut deux coups en général pour avoir. On évite de s'envoler trop loin, on ne reste pas dans ses pattes parce que... C'est... Pourquoi j'ai deux morts? Pourquoi j'ai deux morts, là? Quelqu'un m'explique. Ils ont des pops, là. Tout le monde est témoin. Ah. Bien, on fait un pierre-feuille-ciseau et celui qui perd doit sacrifier 50 Pikmin. Bah, moi, je propose qu'on ne fasse pas ça. Déjà que je vais faire un scandale parce que le jeu m'a encore éliminé des trucs au hasard. Non, ils sont même pas, ils ont pas pu tomber dans l'eau, je les aurais entendus, vus. Et Non, ça, à tous les coups, ils sont passés dans le mur. Et le jeu, dans le doute, il les a fait des pops. C'est pas grave. Moi qui voulais faire un perfect pour vous montrer mon talent. Je suis outrée. Scandalisée, c'est vraiment une honte. Regardez, on dirait trop une Pokéball le beau prix. Bon, c'est un peu l'aérodynamisme et la classe. Hein. Donc, que nous disait Mimi? Je crois dans les bisous noirs. Moi, je connais les bisounours. Bon, je vérifie que les bouffons sont parvenus. Non, c'est bon. Mais soit. Ah oui, bah c'est... On se croit dans les bisous noirs. J'ai dit ça dans le livre ou là en live et j'ai pas réalisé. Attention, démonstration de comment les bleus peuvent me contredire juste pour que j'ai dans le livre. Ah. Les deux sont possibles. J'ai pu me tromper, comme j'ai pu vouloir faire allusion à autre chose, comme j'ai pu avoir peur d'être copyright ou je sais pas quoi. Mais... Est-ce qu'il y a un contexte? Si c'est Nico qui le dit, c'est normal. Lou dit que Lucas se croit dans les bisounours. Ah. C'est des choses qui arrivent. C'est peut-être sa façon de lui dire oui, il veut faire genre il est dark, mais en même temps c'est un vrai bisounours, je sais pas. Non mais ça va, oui. Ils le connaissent, c'est... Bref. En même temps, je te verrai bien, toi. Imagine si t'étais à sa place... Devoir rester saine d'esprit alors que tu vis avec Lucas. Ah là, on a beaucoup de temps là. À pouvoir bien avancer les deux autres. Oui, bah écoute, c'est la spontanéité. Mais qui est mort là encore? Ok, bon, lui il était débile.
C'est pas ma faute, c'est la sélection naturelle. Ah, mais c'est pas possible, pour une fois que je voulais faire un perfect, là non. Non, mais ça c'est votre présence, vous m'intimidez, vous me déconcentrez. Oui, ça va être votre faute. Parce que ça l'est, c'est tout. Alors, on va aller déjà embêter les petites... Je crois que c'est pas lui dans... Non, je vais pas dire une bêtise, on le verra. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne signe pas d'autographe. Comment ça, vous êtes mort? C'est une honte. Qui vous a autorisé à mourir? En fait, c'est des deux pièces qui sont très faciles. Hein. C'est juste... Là, ça se trouve, on va finir la zone là, du coup. C'est le plus dur, entre guillemets, c'est de préparer le terrain. C'est juste le... Et donc celle-là, voilà. C'est juste un peu de plateforme, mais c'est très facile à comprendre. Non, je vais pas vous faire ramasser parce qu'il y a eux qui vont vouloir vous aider et vous, vous allez les tuer. Je vous connais, vous êtes trop des chiens quand vous imitez les bleus. Pikmin bleu égale assassin. C'est comme ça. Je peux pas les siffler tout de suite, sinon ça va glisser. Dommage. Propulseur de... Donc voilà, ça c'est... Pas de soucis, c'est tranquille, ça se fait vite. Celle-ci, c'est en... entendre quelqu'un se noyer. Voilà, voilà, à cause des bleus, je commence à flipper et avoir des hallucinations. Non, c'est bon. Donc, elle est en 2 à 3 étapes, celle-ci. Faut d'abord convertir les bleus en jaune. Et non, je peux pas tirer les jaunes parce que ils finissent dans l'eau et c'est un massacre. Il me semble qu'il en faut 25. On les redéterre jaunes parce que la pièce est trop haute. C'est propulseur chrono, un truc comme ça. Le nom de la pièce. Ah, ça va, cette fois ils sont intelligents, ils restent contre la fleur parce que des fois ils ressautent. On dirait qu'ils cadent. Oui, bah en fait, c'est soit ils sont. Un peu dissous, retransformé et recraché. Soit ils sont tués et en échange la fleur te donne une graine d'une autre couleur. Donc bon. En tous les cas, ça n'a pas l'air très agréable. Je crois qu'il m'en faut encore 5. Hein. Bonne ambiance. Bah, c'est Pikmin, hein, c'est Peggy 3. Les enfants, faut les former à la vraie. Donc on lance les jaunes très haut. Pareil que c'est 25. Même pas. Ah bah j'ai confondu avec une autre pièce, tiens. Réacteur chrono. Est-ce que je connais un peu le jeu? Oui. J'arrive te lire, Mini, hein. J'attends juste que Olimar vise. Tellement envie d'aller ramasser qu'il tombe exprès à côté, c'est dingue ça. Essayer de pas oublier trop de monde. Non. Vous voyez quand je dis qu'il faut tout le temps, même quand on veut déterrer, viser la terre ferme. C'est pour les cas comme ça. Je
pourrais les laisser jaunes rentrer tout le monde et venir les garder eux à la main jusqu'à la fin du jour. C'est juste la flemme. On te voit le combattant, bah tiens, ton colimard d'éther, je vais dire mini en privé. J'ai pas le contexte, je me souviens plus. Ouais, le 3, il faut que je le relise. Mais j'imagine. J'ai ma petite idée de pourquoi ce que tu me décris est arrivé. Mais dans le doute, je ne vais pas risquer de te spoiler. Ça y est, toi, tu te sens jaune ad vitam. Il n'y a plus personne qui traîne, parce que sinon ils vont les noyer, on les connaît. Après, on a vu avec le rouge de tout à l'heure, pas besoin des bleus pour que... qu'il y ait des accidents nautiques. Quel timing, les enfants, c'est beau. En soi, on peut aussi passer par là. Hein. Mais il y a plus de... Enfin, il faut refaire toutes les grenouilles. On n'avait pas le temps. J'avais la flemme. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Après, rien n'empêche de tenter un truc de rush. Hein. J'adore leur cri de joie quand ils trouvent les bons. On dirait des gosses devant un gâteau. En mode, ouah, trop bien. Donc c'est un truc mortel, tu vois. L'innocence des Pikmin. Donc là, ça va remettre un petit peu de peps aux fesses du vaisseau. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de leur joie quand ils rapportent une pièce. Observons. On dirait vraiment qu'ils sont nés pour ça. Ils sont plus heureux de rapporter une pièce pour quelqu'un qui n'est même pas de leur espèce qu'un palais qui donne un de leurs frères. Ah si, on a une qui est revenue quand même. On va essayer de la voir. De manière très équitable. Bien sûr. Tu peux réagir et ne pas rester dessous. Non mais il a fait un effort aussi, Harry. Tu as sauté sur l'explosion là, je ne peux plus rien pour toi. C'est dingue. Irrécupérable les enfants des fois. Merci. Attendez, on va donner au jaune parce que les pauvres ils sont pas aidés. Bon. Eh ben mon petit, qu'est-ce que tu faisais ici? T'as passé la journée à rien faire, Nino. Après, ça allait se plaindre que je l'abandonne, tu sais. Terrible. Voilà, ça c'est de l'optimisation efficace. À pouvoir laisser la rediff sur une triple pièce. On est perdu deux. Non, ça va, ils arrivent. On les attend. Encore ? Encore ? Oui, mais c'est parce qu'il y a des jours où j'en avais eu que deux. Enfin, que une par jour, alors. Je
Je crois qu'il faut y aller, j'ai pas le temps, mon esprit glissait. J'ai la chanson en tête. Merci bien. Minnie, est-ce que tu pourrais préciser ta, ta question? Qu'est-ce que tu entends par test? Ah, bah oui. Ça arrive. On va laisser le chrono pour le peu qui reste. Ça va, c'est pas grand-chose. Bah, surtout dans les soirées gages, ça se fait facilement. Le tout, c'est de pas faire avec n'importe qui non plus. Mais excuse-moi le piou-piou, mais c'est quand même chez moi, j'ai le droit de regarder mon balcon. Oui, aussi. Après, souvent, les jeux sont des excuses pour tenter. Hein. Ce genre de choses, faut pas se leurrer. Hein. C'est pas pour rien qu'on adore le faire quand on a nos crushs dans le groupe. Hein. Moi, faire référence à Benjamin, potentiellement. Après, il y a test pour la curiosité, test parce que on se pose des questions, test pour le délire, test pour comparer. Voilà, donc là on peut voir avec la journée, avec la pièce où il fallait convertir les Pikmin, la courbe qui se tape un petit délire. Et il me manque des jaunes. Voilà, j'aime bien quand ils sont tous un peu pareils. C'est une des rares parties où j'essaye pas d'équilibrer non-stop, que je vais faire que à la fin. Bon, bah pour la rediff, on va vous laisser sur cette fin de zone. On a déjà deux finies. La prochaine fois, on finira toutes celles qui traînent. Et puis, celle d'après, on pourra faire le boss. Donc, YouTube, oui, effectivement, à très vite. La rediff, on refait une session ou pas? Je vous laisse répondre le temps de mon round. Hein. Les enfants.
Bon, du coup, on va s'en garder pour un autre jour. Peut-être demain, d'ailleurs. Il y a moyen que demain, on finisse le 1. Mais là, on va... Aller raid quelqu'un qui joue à Kirikou. Et ça, ça n'a pas de prix. Comme ça, je vais pouvoir commencer mes montages. Merci de votre présence. Et Mini, n'hésite pas à continuer de réagir, c'est très drôle. J'en ai trois et que là il en prépare que deux. Bouf, on va y aller. Yeah.